À Cannes, au festival, la réalité, c'est du cinéma. Aujourd'hui, le metteur en scène, Jean-Luc Godard, a reçu en effet une tarte à la crème en pleine figure de la part de quelqu'un qui n'avait pas apprécié la nudité de la Sainte Vierge dans son film « Je vous salue, Marie ». De Cannes, notre envoyé spécial, France Roche. Sur l'escalator qui le conduit à la projection de son film détective, Jean-Luc Godard, très calme, ne sait pas ce qu'il attend. Attention, une tarte à la crème en pleine figure. Il a bien pris la chose, l'assaillant s'enfuit. Deux heures plus tard, commentaire. C'est un vieux gag. C'est toi qui l'as préparé. Attends, t'es venu plusieurs fois. Vous croyez que la tarte à la crème, elle était dirigée contre vous, par les intégristes? Non, ça rappelle des films muets. Mais je crois qu'on ne peut pas dire ça un peu. Mais ça, c'est la presse et les médias qui fabriquent un événement. Donc on n'est plus des êtres humains, on est des moments d'un événement préfabriqué. Et voilà, c'est tout. Donc ça fait un peu. Des fois, ça fait un peu peur. On peut s'en sortir avec humour quand c'est là. Mais il y a des endroits ou des époques où tout le monde s'en sort pas avec humour. Détective, Johnny Hallyday a dit: j'ai vu le film deux fois, il faudra que je le voie une troisième fois pour comprendre. Quelle impression ça vous fait d'entendre ça? Je crois qu'il ait dit ça, on lui a fait dire, mais il ne l'a pas dit. Ah, parce que vous croyez qu'il a appris ça par cœur? Ah bon, on lui a posé une question, puis il est forcé de répondre comme ça, mais... Alors vous croyez qu'il a compris? Ah oui, il a tout compris. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas...